Si tu as toujours kiffé d'être sur une de ces vidéos qui parle de ton youtubeur préféré tout en se faisant descendre, et qu'au final tu le prends mal car je fais une blague à la Régis alors qu'à la base une critique t'a doit être au sérieux, alors cette vidéo est faite pour toi, toi qui vas me dire que voilà, t'es pas drôle. Je vais te démontrer que même un lambda sorti d'un trou du trou qui lui-même se trouve dans un trou qui check un trou avec check Diabaté peut te faire passer un bon moment. Noni. Et aujourd'hui, comme tu l'as deviné, on va parler de Julia Bayonetta, alias Julia Gameuse. Sur ce, générique. Sur ce, avant de commencer cette vidéo, le saviez-vous, j'ai un petit Discord des familles. Donc n'hésitez surtout pas à le rejoindre, le lien est dans la description. D'ailleurs, mon petit compte Twitter est aussi dans la description, donc je vous invite à aller le checker. Bref, vous connaissez la chanson. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai complètement refait ma bannière YouTube. Personnellement, j'adore cette bannière, elle est complètement magnifique. Et son auteur se nomme Petit Poisson, son lien est aussi dans la description. N'hésitez surtout pas à aller lui dire bonjour sur son Twitter. Julia Gameuse est une YouTubeuse qui s'appelle Julia. Et qui est une gameuse. Elle repose principalement ses vidéos sur l'univers du jeu vidéo, faisant du gameplay, des opérations sponsorisées et des vidéos sur des jeux hentai qui eux aussi sont sponsorisés. Et avec des déboires moins conséquents que sa collègue gaming qui s'est tapé la Bamako Race FC de Skyar. Julia Gameuse, si je dois la décrire personnellement, je dirais que c'est un mélange entre une étoile refoule à Garnier et ta cousine strongulo chiante qui te casse les couilles et qui joue 3 fois à Flappy Bird et Skylander par an. Mais bon, allez, sans déconner, je dirais que Julia est semblable à tout bon gamer qui se respecte. C'est-à-dire que selon la Sainte Bible sur YouTube, il faut d'abord les débuts gênants. Débuts eux qui se situent à côté d'autres objectifs dont bizarrement j'ai pas envie d'en parler, mais vraiment pas. Ces débuts étaient principalement effectués sur la licence d'Activision Modern Warfare 2. Ah, tu sais, la belle époque où la PCC et le bon plan du geek marchaient encore. Là où il fallait mettre une intro dédiée à ses chaînes communautaires, même si au fond de toi, c'était un acte désespéré de ta part. D'ailleurs, en parlant des vidéos de Julia sur MW2, elles ne sont plus disponibles. Et pourquoi donc j'en viens de suite avec ce premier petit problème? Est-ce que pour une youtubeuse gaming, il est normal qu'à ce jour, il y ait une vingtaine de vidéos sur sa chaîne pour près de 350 000 abonnés? Non mais vraiment, c'est une réelle question. Alors je dis bien que c'est pas totalement impossible, qu'il faut la signal goop illico presto. D'ailleurs, je m'en fous complètement et tant mieux pour elle. Mais le peu de personnes qui ont beaucoup d'abonnés pour le peu de vidéos qu'ils ont, leur concept reste assez innovateur pour le game. Et personnellement, je doute que Julia Gameuse ait révolutionné le concept de gaming en France. Sur le fond ou encore sur la forme. Enfin, peut-être la forme, mais là... Mais dans le sens, tu vas pas faire une FAQ pour ta deuxième vidéo? C'est comme les concours pour fêter les 10 premiers abonnés. Ça m'excaire but, les gars. Et où sont les preuves que je ne dis pas de la merde? Oh, je sais pas, moi, peut-être la vidéo du roi des rats, non? Oh bah zut, cette vidéo fut aussi supprimée de sa chaîne. On dirait que je n'ai pas de chance. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez lorsque j'ai mentionné l'opération sponsorisée par Julia sur un jeu de type hentai? D'ailleurs, j'ai pas envie de te montrer qu'est-ce que c'est un hentai. Si tu as Google, tu sauras très rapidement. Mais sache que politiquement, je dois te dire que tu dois avoir minimum 18 ans, blablabla, et nique ta mère. Le problème ici, c'est que Julia n'assume pas qu'elle a fait une opération sponsorisée. Sponsorisée car dans un premier temps, quand une marque t'envoie une demande de placement de produit, elle te demande d'abord de mettre son lien par exemple dans la description ou encore dans le titre, histoire d'améliorer leur référencement et tout le bordel. Et je vais te dire qu'elle le met pas là-bas juste par pur plaisir. Mais lorsque l'on dit que je voulais tester, parce que quand vous savez, on teste un petit peu plein de jeux. Alors que oui, au final, j'ai touché le chèque, tu te dis que t'aurais dû faire un placement de produit pour du placo isolant à Brico Dépôt. Après, si tu veux, c'est juste maladroit. D'ailleurs, si tu veux, elle s'est mise directement à l'abri de certains youtubeurs critiques en mettant sa vidéo soumise à une limite d'âge. Pas de chance. D'ailleurs, on connaît tous l'astuce de se créer un compte de plus de 18 ans lorsque l'on est mineur. Haha, je vous vois. Mais la question de cette opération sponsorisée non assumée est là pour nous rappeler que le malaise est un peu palpable et surtout en fait il est présent. D'ailleurs en France, ce qui pourrait aider lorsqu'on l'on fait une opération sponsorisée sur YouTube, c'est de dire de montrer ses couilles sur la table en mode
artiste, pute ma lumière. Et de dire que oui, j'ai touché le chèque. Certains l'ont fait, certains ne le disent jamais, bref, on est sur YouTube. Car chez toute personne normalement constituée, en fait, il est un peu gênant de proposer ce type de vidéo. Enfin, je ne te parle pas du fait de s'enregistrer devant une caméra en train de jouer à un jeu vidéo. Je te parle plutôt du placement de produit pour un jeu hentai. Même si tu n'es pas con, tu peux te dire que Julia était extrêmement gênée en train de faire cette vidéo. Ok, bon, je sens que cette vidéo va être strike. Enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais en train de te... oui, tu sais, c'est la première fois que... Dans quoi je me suis lancée? Autre sujet, autre rubrique. Venant de ce que certains lui reprochent, on constate que Julia est considérée comme une fausse gameuse. C'est-à-dire qu'elle essaie d'intégrer le cercle fermé des gamers geeks en s'appropriant des connaissances assez vagues sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire qu'on en lit bien des conneries sur JVC. Quand un gars semi-beubard avec une gueule de salami en guise d'acné prépubère rage du fait qu'une fille qui est jolie peut faire du gaming. Enfin non, je t'assure, elle ne simule en rien son côté girly gaming. Savoir certaines connaissances sur certains sujets, son background encore avec plein de mangas, et tu me dis que en fait elle simule. Bah putain, ça fait cher la simulation. Même Neymar, il a pas autant sorti chèque, c'est quoi ce bordel? Alors non, je te rassure, c'est pas parce que le jeu vidéo est principalement occupé par des hommes que la première fille en top legging léopard fait ça uniquement pour attirer des vues. Tu sais, c'est le fantasme des gars de 14 ans qui plus tard veulent une femme qui joue au jeu vidéo. Mais tu sais, les gars, ils pensent au mariage avant d'avoir même un putain de diplôme. Bien évidemment, c'est le progrès, m'a-t-on dit. Est-ce que tu crois qu'en 2015, elle avait un budget pour se faire un background en manga derrière? Non mais vraiment. Ok, ok, je l'avoue, l'univers du manga et du jeu vidéo ne se ressent pas en tout point. Enfin, moi, mon avis personnel, ça ne peut pas être le tien peut-être, mais je trouve qu'ils sont intimement liés. Alors je te dis pas que Sonic va faire un feat avec Luffy, c'est-à-dire que la passion que tu octroies à un univers peut peut-être toucher la frontière de l'autre univers. Et c'est là que tu commences à t'intéresser au manga ou aux jeux vidéo. Troisième sujet, le revenge porn. Julia, si vous voulez, fut attaquée par une vague de mecs inconscients en mai 2018. En fait, la petite histoire, c'est que des photos récirculaient sur elle. Celles-ci étaient des images d'elle dénudée. À ce moment précis sur Twitter, certaines personnes auraient menacé Julia et il y a d'autres personnes avec le Queen Einstein auraient lancé le hashtag je soutiens Julia en proposant des photos d'elle dénudée sur le net. Merveilleuse idée. Alors que de 1, personnellement, rien ne prouvait totalement que c'était Julia. Elle ne montrait d'ailleurs même pas son visage. Hormis peut-être certaines bagues et encore un pull vert qu'elle portait dans de précédentes vidéos. Mais est-ce que tu crois 2 secondes que tout le monde ne peut pas se procurer un pull vert et des bagues? Vraiment. La cagoule d'ailleurs a fait une vidéo à ce sujet, donc j'ai décidé de ne pas vraiment en revenir. Allez d'ailleurs la checker, elle est dans la description. D'ailleurs celui-ci montre certains screens pour défendre Julia, mais à mes dépens, j'ai découvert que des screens ne voulaient absolument rien dire. Enfin bref, tout cela touche plutôt au revenge porn. Et d'ailleurs, si tu veux plus d'informations à ce sujet, il y a la vidéo du roi des rats en description. Ah, la générosité. Quatrième et dernier sujet, la fameuse histoire du Tipeee. Alors si vous connaissez pas cette histoire, c'est que vous ne connaissez pas le roi des rats. Tain, mais limite, c'est une opération sponsorisée ce que je fais. Bref, je vais pas tourner autour du pot pendant 30 années. Julia avait fait une vidéo demandant 1 800 € mensuels sur Tipeee afin d'avoir un bon matériel pour réaliser de bonnes vidéos. Alors là, tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a des mecs sortis de Wall Street, Spé, Boursorama qui commencent à te sortir le taux du SMIC en 2016. Et d'ailleurs, selon la team B d'Overwatch, 1 800 €, c'est un peu trop juste pour faire 3 cuts sur Capstasia Studio. Et pour l'école de ceux qui la défendent, certains disent qu'en fait, elle a laissé son Tipeee juste pendant 1 mois, le temps d'empocher ses 1 800 €. Après, les arguments qui ont déclenché la colère des spéphysiciens, c'était le terme « mon PC a attrapé un gros virus et je dois en racheter un nouveau » ou « comment prendre les gens pour des cons ». Personnellement, je pense qu'elle avait la flemme de réparer son PC et que celui-ci devenait un peu vieillot. Mais là, c'est sûr, elle a dû se commander une fusée de la NASA au prix de 7 700 €. Et là, seulement pour 103 tipeurs. Ah, attendez, Jean Cariotype en filière S m'a dit que c'était une moyenne de 70 € par tipeur. Genre il y a 103 Ibra TV like qui ont balancé les bifetons de la friterie. Je suis explosé gros. C'est pas comme si Carl Girard aléatoire lui avait balancé un tips. Ah, en fait il devait vraiment tenir à celle-ci le petit coquin. Ah, ce qu'on voit, GG doit avoir sa moustache qui frétille quand il a balancé le chèque, non? Ah là là, être une fille sur YouTube, ça doit sûrement rapporter. Mais bon, sa plus grande gourde, c'était de dire qu'à 16 ans, en fait, elle ne pouvait pas travailler. Tu vois, c'est un peu le concept du patron en entreprise
il a des ouvriers, il leur demande de charger un camion pour demain, pour une livraison de je ne sais pas quoi. Et le mec, il le regarde comme ça. Bah vas-y, porte. En fait, il est où le concept? Je vois pas, c'est encore un truc américain, je sais pas, c'est sorti Walmart TV, non? Et au final, j'ai fait le tour du personnage qui est Julia Gameuse. Et bien au final, si vous êtes intelligent, vous pouvez vous faire un avis vous-même. Parce que si je commence à dire A et que vous prononcez B, ou même que certains pensent A sans réfléchir, je peux dire que ça résulte en fait de la paresse intellectuelle. Gros, tu es né sur Terre, tu as un cerveau, tu as peut-être un esprit critique, comme te l'a très bien enseigné le système scolaire. Alors au moins tu peux essayer de penser C, même si l'autre personne pense A et l'autre dit B. Enfin bref, c'est sur ces douces paroles que je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner pour ceux qui me connaissent pas. Et par ailleurs, si tu fais partie des personnes qui ont liké et qui se sont abonnées, bah il me reste juste à vous dire ciao et à une prochaine vidéo. Salut.